Non, je viens samedi 23 octobre là, il y a un pile et tension qui était dans la rue Port-au-Prince. Un pile monde avec beaucoup de jeunes dans mes yeux, ils ont cherché gaz, un petit gaz pour le mettre dans, soit dans votre cyclette ou bien dans la camionnette. Mais le problème qui vient, c'est que l'association des chauffeurs pétroliers d'Haïti, ils ont mis en grève depuis le commencement de la semaine là. À cause que bandit qui a attaqué camion gaz, monsieur n'a pas voulu que yo prend risque que bandi yo kembe camion. Donc c'est peut-être ça monsieur yo metteur en grève, ça vient rendre que qu'on y a là dans Port-au-Prince pas gain gaz dans toute province également manquer gasoline dans tout pays. Ça vient rendre que grand pile tension dans la Port-au-Prince, la police était obligée de faire une intervention, il t'a tiré pour capable gagner monsieur qui a fait manifestation surtout monsieur motocyclette. Nous mais c'est gaz. Les gens pètent sous nous-mêmes, les gens méchants, les gens m'appellent pète nous-mêmes. Nous avons voté pour cause de sérieux. Nous avons demandé gaz nous baisser. Les gens finis là, puis la police qui est venue là, ils ont pour paquet de gaz. Ouais nous-mêmes, ils ont rabouré nous, ils ont une balle, ils ont pété sous nous là, ils ont couru. Les guettes, non, mais la police. Dis ouais, mini, mais ça, ils ont essayé de le voler, ils ont essayé de le 6 secondes, ils ont essayé de le plein, les 4 semaines. Nous disons non, nous disons non, nous sommes des artistes qui nous disent notre club. Mais on est volé, ils ont pété sous nous. Ils sont belles artistes, c'est JB Flow Bootfait. Quand tu es malade, tu es en moto, tu n'as pas de gaz dans la rue. Tu viens de gaz dans la vaca, je n'ai même pas acheté à terre. Mes amis, nous partageons ça, nous souffrons pour gaz dans le besoin de gaz. Regardez, regardez, on a tous mieux. Nous avons un visage déjà. Gaz, gaz, nous sont tirés sur nous. Et là, nous avons un peu de gaz. Remarquez, de plus en plus, grand pile motocyclette qui commençait. Qui s'imagine dans le pays d'Haïti, mais il n'y a pas qu'à rouler à cause de l'essence. Là. Selon la dernière information que nous joignons, le nouveau chef de la police, lui-même, il était metté ensemble avec le premier ministre. Là, il a fait une réunion pour être capable de comment il parle et résoudre le problème. Ça. L'association des transporteurs dit qu'il a essayé de prendre contact avec le nouveau DGA, M. Franz Elbe. Mais cependant, monsieur, et fait qu'on est toujours prêt pour capable accompagner les chauffeurs et les transporteurs pour capable à mettre le gaz au côté et au doué mettre dans la pompe gasoline. Mon dernière réunion qui fait là entre NUD, représentant ambassadeur, il ensemble avec le numéro 1 de l'ONU en Haïti du MINU, donc pour voir qui gens que problème ça capable résoudre dans le pays d'Haïti. Si ben ça a continué, ben ça va monter une tension dans le pays d'Haïti qui ne peut pas joindre une solution à l'autre. Problème n'a venu plus grave de jour en jour. Pour l'instant, en quelle école pour ouvrir dans le pays, et puis transport public là paralysé dans tout le pays.